pour dire que nous aussi, nous ne souhaitons pas que, pour le moment, hein, beaucoup de gens s'aventurent là-bas, parce qu'il n'y a certes pas eu de combat en tant que tel, mais il y a eu des bombardements. Il y a eu peut-être, avant l'arrivée de nos troupes, des mines ou des pièges ou, qui ont été laissés sur place. Donc, on attend d'abord de vraiment nettoyer tout le terrain avant de laisser rentrer les gens. Voilà. Donc, on tenait absolument à expliquer à la presse que nous n'avons aucun intérêt de dissimuler quoi que ce soit. Nous nous sommes rentrés dans le camp. De notre côté, il n'y a eu aucune victime, même pas de blessés. Mais sur place, nous n'avons non plus rien trouvé. Nous avons fouillé tous les bâtiments, nous n'avons rien trouvé. Il y avait des bâtiments fermés, on était inquiets de trouver, de faire des découvertes macabres à l'intérieur. Grâce à Dieu, c'était du matériel, il n'y avait absolument rien de macabre. Alors, il reste à fouiller tout ce grand terrain qui est très, très, très vaste. Et que depuis que nous sommes rentrés, le 30, nous avons fait juste une petite partie. Il y a beaucoup d'herbes et nous n'avons pas encore fait. Voilà ce que je voulais vous dire.